Bonjour, bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Net TV. Merci, merci, encore une fois, merci à vous qui prenez du temps à partager les vidéos, à vous abonner à la chaîne ici de Chronique de Net TV, la chaîne la plus fiable pour les analyses. Vous qui mettez les j'aime, des likes, vous qui prenez du temps à commenter, je suis vraiment fier de vous. Vous êtes tellement nombreux en Europe, en France, en Belgique, ici au Canada, aux États-Unis, en Chine, en Australie. Il y a d'autres personnes qui m'ont appelé à partir de Brésil et de l'Argentine. En tout cas, les Congolais sont partout dans le monde et les Ivoiriens Camerounais. Je suis là pour vous. La chaîne ici est pour vous également. Alors, Maman Rifa, la sœur chérie de Kofi Olomide, notre légende. Si Kofi Olomide et Maman Alia ont divorcé et que à un moment donné, Kofi Olomide décidait de vivre sa vie avec sa vie amoureuse avec une autre femme et que Kofi présentait la femme là à Maman Rifa, qu'est-ce que Maman Rifa va faire? Elle ne va que féliciter et accueillir la nouvelle personne, la nouvelle femme de Kofi Olomide dans la famille. C'est normal pour tout le monde. Ce n'est pas seulement notre Maman Rifa, mais tout le monde qui a vraiment la conscience. C'est comme ça, ça se passe comme ça. Je fais d'abord salut et coucou à notre dame, Maman Louise Bolumbu na niveau à Belgique, ma sœur vraiment propre, Yomoko Yebi, TikTok danger côté ba conseil. Les problèmes Oyo, je vais parler Onako Lobela pour notre sœur Rifa qui est menacée juste pour ce que on l'a vu en train de préparer la nourriture avec sa belle-sœur Cindy Lecker, une femme qui fait la fierté musicalement de l'art congolaise. Mais Lelo, juste puisqu'elle s'est décidée de vivre sa vie aux côtés d'une légende congolaise, africaine, et comme problème. Les Congolais, il faut apprendre à comprendre et à interpréter les signes du temps. Kofi Olomide n'est pas un homme qui doit vivre sa vie célibataire. Ce n'est pas un homme qui est habitué à vivre seul. C'est un homme de femme. Quand il chante les chansons, quand vous écoutez ses chansons, c'est un homme de femme. Quand il chante des chansons comme Mulerengo, c'est l'amour pur. Un monsieur pareil qui a été marié officiellement à Alia. Alia qui s'est décidé à se débarrasser de Kofi Olomide. Kofi Olomide attaqué libre. Elle a vu, elle a étudié pendant plus de 20 ans. Elle a pris le temps de comprendre qui est Cindy Lecker, qui a été aux côtés de lui pendant tout ce temps-là, dans l'art musical, façon de chanter, et la dame qui se comporte dignement d'une femme, selon moi, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Quand Kofi Olomide se décide de prendre les pans, les escaliers, pour comprendre la personne qui pourra vivre sa vie aux côtés d'elle. Kofi a vu que la femme Cindy Lecker, c'est la femme la plus vraiment fiable. Kofi a vu beaucoup de femmes. Kofi a vu beaucoup de copines. Ce n'est pas toute personne que tu vis avec qui sont compatibles avec ton amour. Il y a des personnes clés. Oh, bako sala, bako tika bilembo na vie na yo, oh, bako sala été. Que tu choisisses une personne parmi toutes ces choses, toutes ces personnes là, in oya ko sala bonheur na plaisir à tes côtés. C'est que ce qui faut, comment boza ko tia toujours mutulokola Cindy na Maman Rifa, ce qui bango baké ko sala baké ko lamba baza ko sala ba plaisir baza ko sala loisir entre ba belle sœur baza ko se prendre connaissance. Il faut ba yebana mutuna mutu aye ba côté faible ya moninga. Parce que ma vie, Maman Rifa a moi na poto, Cindy Lecker a moi na kungu, elle a koto, elle a déjà moi na poto, parce qu'elle a comme kotambola, bikende bizong a déjà moi na poto. Mais contacte wana, ko yebana. Parce qu'il faut yeba, na famille agbapa, agbepa.
batambola kandenge nini. La famille Kofi Olomide ba vivra kandenge nini. C'est ce que maintenant Cindy Lecker est en train de faire. Ce sont les démarches. Elle veut vivre selon la famille Poza Mupaya. Elle est venue dans la famille Agbepa. Elle est venue dans la famille Olomide. Elle fait partie maintenant de la famille Olomide. Elle fait partie puisque c'est la femme légitime, la femme officielle, la première dame de Kofi Olomide, c'est elle. Alors pour moi, quand je vois notre dame, notre première dame, la femme selon laquelle de Kofi Olomide, la femme qui chante Zokele na Monaco à 3h du matin dans les oreilles de Kofi Olomide. La femme là se donne la peine d'aller dans des familles de Kofi Olomide, entrer à profondeur dans la dynastie Agbepa pour connaître, pour étudier les valeurs de la famille, les traditions de la famille, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même à Kofi Olomide. Promène à Bino Zawapi. Bino ba maman boza kofinga nani Cindy. Promène à Bino Zawapi. Il y a beaucoup de dames là, beaucoup de dames qui espéraient ou bien qui ont besoin d'être aux côtés de Kofi Olomide. Méchant Césaté, puisque ce n'est pas donné à tout le monde. Vivre la vie que Cindy Lecker mène aujourd'hui n'est pas donné à tout le monde. Cindy Lecker a eu la grâce, a eu la chance d'être aux côtés de Kofi Olomide. Aujourd'hui aussi, elle a eu la grâce et la chance d'être la femme de Kofi Olomide. Je suis sûr et certain, c'est la dame qui va nous rester dans les annales, dans nos têtes, dans nos cerveaux, tous les derniers jours de Kofi Olomide sur cette terre. Puisque la dame ici, elle connaît Kofi Olomide. Elle a compris qui est Kofi Olomide. Elle a compris comment vivre avec Kofi Olomide. C'est la seule femme que Kofi Olomide a eu qui travaille avec Kofi Olomide. Ils chantent ensemble. Ils se promènent ensemble. Ils voyagent ensemble. Donc, ces deux personnes-là se connaissent mieux, très bien. Pendant que d'autres femmes, les femmes-là étaient seulement les femmes de la maison. Ce sont les femmes qui protégée, qui prenait soin des foyers, de la maison et des enfants. Mais Cindy Lecker, elle est la femme de la maison, elle protège la famille, les enfants, et puis elle chante, elle a aussi un travail, là, une carrière. C'est ça la différence. Quand Kofi voit toutes ces choses-là, tous les atouts possibles pour nous à la moisinanga, puisque ce n'est qu'un Botswana, à Koya. Soyez na kena Zanzibar à Kozala wana. Soyez na kena Poto à Kozala. C'est ça la femme que Kofi Olomide a besoin na bata oyo. N'oubliez pas que Kofi Olomide, il a déjà dépassé plus de moitié de son âge, qu'on le veuille ou pas. Kofi ne peut pas faire encore plus de 100 ans dans le monde parce que mutunyoso ayaka akendeke. Mutunyoso za ne bandeli azape na souk. Kofi asia lekisi moitié ya vie na ye. L'état oyo Kofi aza nango et comme tango ya kosepela. On n'a pas le droit yako jeter des pics à Kofi Olomide pour que ne kozo ako piquer ba crise toti kayé data na ya souka alexango na kimia alexango na pété soki to moni Kofi Olomide il a des concerts to kende ko soutenir ye ce sont des images o ya souka tozo linga atikala nango akene nango mukola kolala Kofi aye ba ke les gens, en tout cas j'ai donné tout à mes fans et mes fans m'ont accompagné jusqu'au dernier jour. C'est ce que Kofi Azan Ango pour ça. Il a donné tout. Ba générique à Pessi Ango, ba loi, ba Efrakat, à Pessi, ba Nini Oyo, affaire d'État. Il nous a donné tout. Surtout que na ba papa plus. Ba papa, ba générique, on a eu, Kofi nous a donné la musique. Ba générique. Côté Barumba, Kofi nous a donné Barumba. Côté ba fit, Kofi nous a donné ba fit. Il a chanté avec Papa Wemba. Il a chanté avec Inos B. Il s'est déchaîné avec toute la génération. Il a et na ba nzembo surtout na album ya Wake Up. Ce boyoki ba nzembo wana ba fit ringo ya Yemba na Papa Wemba. Na kib na yebite. Il a chanté avec de Oumu Sangare, il a chanté avec de Kumbu Gaolo, il a chanté avec tout. Botang langa ba comme Kofi, il s'est démarqué na ba position nyos. Il nous a donné tout. Côté musique a pesibiso nyos. Côté concert na ba nzembo a pesibiso nyos. To sengaye ayembela biso ba nzembo ya mboka.
ayembi la biso ki elelo. C'est pas Kofi nous a donné tout affaire d'état, c'est là. Il a parlé de tout. Côté bolingo ne vient pas. Bokozwa nzembo yoso bokozwa. Eza na thème oza différent na mususu. Ba nzembo ba baritme ba kadase. Sempiozo na nyoso. Aza kotika la l'unique à ce genre na Afrique oyo. Eza la ba Davido, eza la ba Yusundur, bazo ye ba grandeur ya vie na biso wana. Mais comment na ba maman moko boye, pas toutes les mamans et les papas na ba chroniqueur mususu. Baza ko ignorer na nos grandeur ya Kofi, mais baza capable ya koya ko déstabiliser ko nuire na nini na grandeur na ye. Baza ko ignorer nyoso Kofi ya sala, mais so capable juste parce que baza na désaccord na alia ya, il faut que Kofi azala mutu moko boya ko ya ko lapider. Ce n'est pas Kofi qui a divorcé alia. Il faut ko checka makamona na logique. C'est alia qui a divorcé Kofi Olomide. C'est maman Alia qui a divorcé Kofi. Ce n'est pas Kofi. Kofi, il est innocent dans ça. Ce n'est pas lui qui a cherché le divorce. C'est maman Alia qui a fait le divorce. Maintenant, quand un homme qui a été diabolisé pour des choses qui n'est pas vrai. Au lieu de ce que déjà toute la communauté a déjà compris comment Makambo Zalaki. Tout aussi tu dis que maman Alia mouta bandaki. Mais le loso Kofi a lobi a sa la vie naïe moussousou. Pourquoi tous avons tiré bakal? Le lot Cindy lequel elle décide de faire connaissance approfondie de la famille de la dynastie Agbepa pour appeler ça meilleure d'elle-même à son nouveau mari. Où est le problème? Pour nanga na ko féliciter nani? Maman Rifa na akéwana chaleureuse ko yamba Cindy ko welcome ye ko na ko sala bienvenue na famille Agbepa. Je pense que maman Rifa ko sala capable ya ko lakisa nani Cindy lequel comment famille na bango tambolaka ba culture na bango comment ba tradition na bango ezalaka parce que aza mwasi Kofi aza mobali Cindy lequel ko sala bien soki bomoni bien akuta na mutu lokola maman Rifa. Et puis Cindy aza une femme chanceuse aza kuta ba maman na bazana no avi ba kopesa ye ba secret ya foyer ba kolobela ye ndenge Kofi alingaka makambo nini alingaka te na famille na bango nini balingaka te comme ça Cindy lequel a s'équiper aza ko s'équiper mentalement physiquement spirituellement na ba tools Baba biloko nyoso oyo kosala a vivre na famille nyoso mobimba na kimia avec et puis a donne a pesa de tout son mieux na mobali na ye Kofi Olomide. Pona nga maman Rifa, on ne peut pas l'insulter, on ne peut pas l'injurer, c'est normal à recevoir mutu na famille na bango. Ne fût-ce que la petite chose, la petite connaissance à tant que humain, à tant que bantu, boza ko bosa na yango po banda ko finga bato. Soit to lobele bantu mutazala ka bantu ti eh bantu ki bantu etikala na Congo mais soki etikala na Congo vi oyoyi maman Rifa aponi ko yamba nani belle sœur na e pourquoi eza ko deranger bino ezanga Gilmas noko na bino fan ya Kofi Olomide à travers mes parents banze muso ko yoki ba nzimbo ya Kofi Olomide. Tu ne peux pas passer ça sur quoi comme on a télévision quand tu l'as ici là parce que rythme nango eza comme mayo famille Agbepa boza na chance famille Olomide boza na chance kozwa intellectuel ya boye kozwa poète ya boye soki Kofi Olomide un jour azo ta idée ko sala ba livre chaque album na ye e kozala livre. Tant que nzembo moko eza livre, nzembo mususu eza livre, nzembo musoko na eza livre, ba musique ya Kofi Olomide eza livre, et bongo soki ya bakisika vi na ye propre, vi na ye mobimba eza pe livre. Attention na mutuana azo sala makambu ya minene na Congo, aza ko pesa meilleur de lui-même na musique na biso ya Congo, to pesa quand même valeur. Kofi ce n'est pas n'importe qui. Partagez la vidéo, likez, commentez ce que vous avez fait. Tout le temps, il y a une vidéo. Bye.